Et oui, c'est le youtubeur, humoriste, rappeur, comédien, Mister V, qui est avec nous ce matin. Bonjour, Mister Bienvenue. V. Bienvenue. Bonjour, merci. On était en train de parler de Télématin avec vous, parce que c'est une émission qui a rythmé votre enfance, en fait. Bah oui, moi, quand j'allais au lycée le matin, c'était Télématin avec William Energy. Et d'ailleurs, voilà, il y a un mythe qui est tombé. Je pensais que c'était des vraies vitres. Eh ben non. Ah, mais par contre, c'est une vraie image en direct. Ouais. Ah. C'est vraiment une vraie image en direct. Ok, ouais. Ok. Mais on est au sous-sol, donc effectivement, ce ne sont pas des vrais. Bah non, mais ouais, je pensais j'allais pouvoir aérer un peu la pièce ou quoi. Non, même pas. D'où l'odeur. Ouais. Vous vous êtes fait connaître, Mister V, avec des vidéos humoristiques. Alors, il paraît qu'au départ, c'était juste pour faire marrer les copains. C'est vrai ça ou c'est un peu plus préparé que ça? Je ne sais pas si c'est de faire marrer les copains parce que je leur en j'en parlais à personne en fait. Ouais. J'étais plus me faire marrer moi et du coup m'occuper parce que j'avais vers les 14 ans une envie de savoir ce que je voulais aussi faire plus tard. Et j'avais pas vraiment de projet à part être basketteur pro. Ça s'est rapidement avéré que non, j'allais pas l'être. Donc du coup. Mesurer combien? 2 mètres. 1m78. Ouais, donc c'était compromis pour ça. Mais vous aviez des modèles déjà de youtubeurs à l'époque? Non, en fait, il y avait. Pardon. Il y avait pas vraiment de enfin, il y avait pas de. Comme aujourd'hui, un business autour de ça. Il y avait pas de. Il n'y avait pas de production. Il y avait pas. Il y avait personne envisagé de faire une carrière ou de vivre via YouTube ou. Ça restait un site de partage de vidéos. Un petit plaisir. Bon, Mister V, mes enfants vous adorent, mais ma mère ne vous connaît pas. Est-ce que vous voulez bien vous présenter à ma mère? Bien sûr. Bah, bonjour, Madame Soto. Anne-Marie. Bonjour, Anne-Marie. Moi, c'est Yvick Le Texier, qui est Mister V, donc comédien, humoriste, rappeur, et maintenant doubleur. Non, mais voilà, je fais un peu plusieurs activités, mais principalement liées à la comédie via Internet. Et maintenant, je commence à m'ouvrir un peu à d'autres médias. Et pourquoi Mister V? D'ailleurs, je vous ai dit Mister V, ça, c'est vraiment nul de dire ça, c'est Mister V. Je suis américain, mais bon. Désolé. Je m'adapte au public français. Vous avez tellement peu d'accent quand vous parlez français, c'est tellement amazing. Oui, ça fait presque 29 ans que je suis en France, donc c'est pour ça. Non. Ça vient d'où, ça, Mister V? Bah alors. Donc moi, Yvick, c'est avec un Y. Ouais. Et donc, Mister Y, c'était pas beau. J'ai pris la lettre d'après. Voilà. C'est comme quoi, finalement, les légendes naissent de pas grand-chose. Bon, vous avez un rêve américain, vous en parliez. Vous êtes vous-même américain dans votre tête. Ça se poursuit parce que vous prêtez votre voix à Mirage, qui est l'un des robots dans le film Transformers The Rise of the Beast, qui sortira mercredi au cinéma. Comment vous avez décroché ce rôle? C'est un gros truc, ça. Surtout que c'était vraiment un vrai rêve d'enfant pour moi parce que c'est un film que j'aime beaucoup, c'est une franchise que j'aime beaucoup. Et le rôle est vraiment important. C'est pas un personnage quelconque qu'on voit à un moment aléatoire du film. C'est vraiment un personnage qui compte dans la saga et dans l'aventure et dans ce film-là surtout. Et on le verra par la suite aussi. Et donc. On vous voit là en train de doubler, vous êtes hyper à l'aise. C'était pas la première fois? Alors, c'était pas la première fois, mais c'est le rôle le plus consistant que j'ai eu à jouer. Dans le sens où, d'habitude, c'est des petites scénettes, comme je l'ai dit, pour des rôles un peu aléatoires. Là, j'avais vraiment, des journées entières et le personnage est là tout le long du film, donc je suis extrêmement reconnaissant. Il paraît qu'il y avait un autre comédien très, très, très connu qui était en lice pour ce rôle. Voilà, en fait, on a fait des essais. Vous avez éclaté tout le monde? Alors. C'était qui ce comédien? Alors, ils m'ont pas dit et je voulais pas savoir qui c'était parce que je pense c'est que c'est vrai, si en tout cas. C'était vraiment, on était plusieurs sur le rôle. Alors, je sais pas combien il y en avait, mais je sais qu'il y en avait. Il y en avait un autre gros comédien. Mais vous m'avez dit avant de commencer cette interview qu'en fait, que si vous êtes peut-être aussi doué en doublage, c'est que vous êtes aussi musicien, rappeur. Et donc, c'est quoi? C'est une musicalité que vous avez en vous? C'est ça, en fait. En faisant de la musique, en faisant des chansons, on prend des marques, des repères, de travailler en studio, c'est une habitude aussi. Donc, question de rythme aussi. Le rythme aussi. Le texte, ça fait comme. Là, on ne le voit pas, mais vous savez, quand on fait du doublage, on a un texte en dessous avec une barre et le texte qui rentre dans la barre et ça fait comme une sorte de karaoké. C'est pas vraiment la même chose, mais du coup, il y a un rythme à prendre et je pense que ça, le fait de faire de la musique m'a aidé, puis tout simplement de faire des voix off dans mes vidéos. Je fais beaucoup de doublage dans mes vidéos. Alors, vous doublez un Autobot. Exact. Et on va regarder ce que ça donne tout de suite dans ce film Transformers. C'était bon! Je commençais à me rouiller, mec! Ah, je vois. Tout ça, c'était un peu trop d'un coup, c'est ça? Et doucement, doucement, pensez qu'après ce rodéo, on était poteaux! T'es quoi, toi? Moi, je suis Mirage! Allez, quoi, un petit check, vas-y! Un petit check, allez, un petit là! Fais-moi un petit check! Ça y est, maintenant, on est tranchant! Ah, génial! Voilà ma bande! Il y en a d'autres comme toi? Tu as amené un humain ici? Je suis personne, moi. Je vois rien, j'entends rien, là. Je vois même pas qui me parle, là. Les ténèbres nous ont retrouvés. Qu'ils viennent.
Alors dans ce film, votre personnage Mirage se lie d'amitié avec un humain, le héros. Eh bien nous aussi, on est allé chercher un vieux copain à vous, il s'appelle Samy, et il a une question pour vous. Salut toi, comment ça va? Moi j'ai une demande qui va concerner l'amitié. Pourquoi l'amitié? Parce que ben, l'amitié c'est ce qui nous lie depuis maintenant presque deux décennies, c'est quelque chose de très important pour nous, pour toi je le sais aussi. Et du coup ma question est la suivante, selon toi, qu'est-ce qui définit une bonne amitié? Qu'est-ce qu'un bon ami? Et pourquoi, selon toi, tu as les meilleurs amis du monde? Oh, c'est gentil. C'est quoi un bon copain, alors? Il m'a mis une énorme question technique devant ma tête. Et vous avez 12 secondes. Qu'est-ce que vous partagez avec lui? Tout, mais c'est vrai que là, d'un coup, j'ai pas analysé ça ce matin en me réveillant et que j'allais devoir développer là-dessus, mais je pense que... C'est un peu compliqué à décrire dans le sens où on n'est pas là. Enfin, j'analyse pas mon amitié avec Samy. Et vous êtes là pour lui malgré votre emploi du temps hyper chargé. C'est quoi? C'est quelqu'un que. Bien sûr, un ami, c'est quelqu'un qu'on peut appeler. C'est quelqu'un qu'on appelle peu importe le motif. C'est pas que des problèmes qu'on règle avec lui, ou du moins on cherche pas que du soutien d'un ami. Il faut aussi en apporter. C'est quelque chose. Il vous a tué avec cette question. Parce qu'en vrai, on ne parle jamais de ça. Vous l'appellerez, vous lui direz que vous l'aimez, c'est ça, Nadia? C'est ça, mais c'est que c'est... Et encore, avec Samy, c'est encore... Moi, je mets ça au-dessus de l'amitié, dans le sens où on est vraiment comme des frères, et il y a une... En fait, moi, ils m'ont suivi depuis... Ils sont toujours... Ça n'a rien à changer entre avant la notoriété et l'après notoriété avec eux. Et c'est encore mes amis les plus proches. Ils étaient là avant. Voilà, c'est ça. Ce qu'on nous dit que Samy est en train de pleurer devant la télé en vous écoutant. Là, il est très ému par ce que vous dites. Je ne sais pas s'il est réveillé. Disons, vous aviez posé avec un Transformer sur un de vos albums rap, vous, déjà. La couverture de mon second album, c'était un Transformer qui n'est pas dans la saga, puisque c'est une Fiat Panda. Je suis un peu dégoûté de ne pas pouvoir aussi bien répondre à la question de Samy. Mais il sait très bien, il la connaît, la réponse. Est-ce qu'on pourrait embrasser Georgette, votre grand-mère que vous adorez, qui nous regarde? Bien sûr. J'embrasse avec vous. Et bien voilà. Elle a même eu droit à une chanson. Exactement. FaceTime. Bon.